Et on se retrouve pour un nouveau match de l'Euro 2020. Match entre le Danemark et la Belgique. Match du groupe B. Le deuxième match pour ces deux équipes. Nous sommes à Copenhague. Et on est le 18 juin 2020. Il est 18 h. On rappelle que hier, la Finlande et la Russie se sont tenus en match nul à un but partout. Ce qui fait que la Finlande, grâce à ses 2 points et son but marqué, passe deuxième de son groupe derrière la Belgique. Team danois. L'hymne belge. On va pouvoir voir les composition danoise avec Schmeichel dans les buts. Défense à 4 avec Larsen, Christensen, Kjær et Dalsgaard. Eriksen, Delaney et Sean au milieu de terrain, une attaque à 3 avec Braithwaite, Jørgensen et Poulsen. Petite photo danoise. La Belgique est dernière de son groupe, le Danemark est pour l'instant 3e et la Belgique est leader. On va voir ce que la Belgique et le Danemark vont nous proposer dans ce match. La Belgique peut s'envoler au classement ou le Danemark peut passer devant cette équipe belge. Courtois dans les buts pour les Belges. Défense à 3 avec Vertonghen, Kompany, Alderweireld. Le terrain à 4 avec Hazard, Witzel, De Bruyne et Meunier. L'autre Hazard, Eden, avec Mertens. Et attaque off pointe, Lukaku. Les Belges qui s'étaient imposés 1-0 pour leur premier match, grâce à un but de De Bruyne. S'étaient imposés 1-0 face à la Russie. Joueurs à suivre dans ce match, bien sûr, Christian Eriksen et Kevin De Bruyne. Et la sortie et donc la touche pour les Belges. Mertens. Eden Hazard. Ah non, plutôt Thorgan Hazard. Difficile quand il y en a deux sur le terrain. Eden. Avec Thorgan Hazard. Eden Hazard. Thorgan Hazard. Eden Hazard maintenant. Qui centre. Lukaku et la petite claquette pour Kasper Schmeichel. Et c'est donc un corner pour la Belgique. On va retirer. De Bruyne qui laisse filer en touche. Eden Hazard avec Thorgan Hazard. Thorgan Hazard, le centre dégageant de Schmeichel, Braithwaite, Jørgensen, Delaney, Sean, Dalsgaard, Sean. La passe devant pour Poulsen. Poulsen, le centre et l'arrêt de Courtois. Petite hola danoise.
Allez, dégagement encore de Schmeichel. Pour l'instant, c'est clairement Schmeichel qui sauve son équipe. Car la Belgique met une grosse pression. Allez, Meunier. Dégagement. Ça revient sur Vertonghen. Eden Hazard, Thorgan Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard côté gauche. Le centre, la tête de De Bruyne et l'arrêt de Schmeichel. Jorgensen. Christensen. Le dégagement. Larsen de l'année. Jorgensen, Sean, avec Youssouf Poulsen, qui partait tranquillement, mais il s'est fait rattraper. Sean, Christian Eriksen, avec Sean. Sean pour les Danois. Sean, le centre. Oh, c'était pour Poulsen. Dalgaard, qui tente de défendre face à Lukaku. Mertens pour les Belges, avec Hazard. Witzel. Witzel, la passe pour Thorgan Hazard loupé. Jorgensen. Sean. Martin Braithwaite. De l'année. Braithwaite, le joueur du Barça. Qui attaque et qui a tenté de centrer. C'est dégagé. Eden Hazard. De Bruyne. Meunier, Hazard, le centre, dégagement des Danois, ça va revenir avec Vertonghen, Witzel, Hazard, Thorgan Hazard, avec Lukaku, Hazard, Lukaku, et c'est finalement une paire de balles, 0-0 sur cette première mi-temps entre les Belges et les Danois, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire en seconde mi-temps, espérons qu'ils se réveillent un peu. Allez, c'est la seconde mi-temps de ce match du groupe B de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande et la Belgique. Eden Hazard, Witzel, Eden Hazard, Witzel, Eden Hazard, récupération d'Eden Hazard pour Thorgan Hazard. Eden Hazard, côté gauche. A tenté de centrer, c'est fait, c'est sorti. Allez, Schmeichel qui dégage pour les Danois. Ça revient sur Jorgensen qui perd ce ballon. Meunier, Mertens, Thomas Meunier avec Kevin De Bruyne, Lukaku. Tentative de passe, c'est loupé. De l'année qui récupère. Christian Eriksen, de l'année. Va tenter peut-être de décaler hein, côté danois. Petite percée de l'année. Long ballon devant. Et il y a hors-jeu du numéro 11, Martin Braithwaite. Et c'est un changement sorti de Schoen côté danois. Et entrée de Wass. Et la sortie côté belge de Eden. Non, de Thorgan Hazard. Et entrée de Carrasco. Alors qu'il y a un blessé pour l'instant côté danois, il se relève. Il a mal à l'épaule. Peut-être falloir que l'entraîneur pense à le changer. Parce que là, il a failli avoir un but belge. Cette frappe de Meunier. Et oui, voilà, il le change. Il s'est blessé. Non, il n'a pas changé de l'année, donc le blessé est toujours sur le terrain, il a préféré sortir Braithwaite et faire entrer Skov. Il aurait pu faire sortir le blessé de l'année qui s'est blessé. Oh, il frappe quand même. Il frappe quand même le joueur blessé. Le Danois qui parvient à se procurer une occasion. Il s'est blessé à l'épaule. Il y a l'arrêt de Courtois. Ah, l'entrée de Castagne. Je peux vous dire que ça va castagner côté belge à la place de Meunier.
La frappe, et c'est au-dessus. Frappe du numéro 6, Christensen. Et le hors-jeu côté belge. Un nouveau changement côté belge, sorti de Witzel. Et entrée de Tielemans. Jorgensen. Sko. Jorgensen. Perte de balle. Balle de Vered. Récupérée de l'année. Eriksen. Ça semble se diriger vers un 0-0, hein, cette rencontre. Eden Hazard avec Carrasco. Hazard. C'est une récupération danoise. Poulsen avec Delaney. Wass qui décale Dalsgaard. Eriksen. Wass qui décale Dalsgaard. Dalsgaard le centre, c'est dégagé par les Belges. Contre-attaque belge à présent. Et c'est récupéré par les Belges. Non, finalement c'est les Danois. Dalsgaard. Delaney. Jørgensen. Delaney. Et c'est une nouvelle perte de balle. 83e minute de jeu. Wass. Dalsgaard. Jorgensen. Jorgensen le centre et ce sera un corner pour les Danois dans les dernières secondes de ce match. Sortie du numéro 9. Jorgensen, entrée du numéro 12 pour les Danois de Dolberg. Récupération Skov avec cette frappe au-dessus de Poulsen. C'est la frappe de Dalsgaard plutôt. Elle est complètement au-dessus cette frappe. Dégagement des Danois, ça peut être un but assassin là. Allez, 0-0 entre le Danemark et la Belgique pour ce deuxième match du groupe B. Le Danemark toujours en troisième de son groupe. Derrière la Finlande qui est deuxième et la Belgique qui est toujours leader. N'hésite pas à commenter, à mettre un pouce dessus si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de cette euro. Allez, à plus.